Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi Bonjour l'histoire. Lucie. Bonjour Evans. Quel sourire. Donne-moi la nouvelle. Pourquoi es-tu si excitée? Ne sais-tu pas qu'il y a une nouvelle émission sur la plateforme Vision d'Espoir intitulée Histoire de l'Église? Histoire de l'Église. C'est tellement intéressant de connaître le passé de l'Église. C'est tellement intéressant de comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Ne vois-tu pas aussi que l'avenir est déjà assuré? C'est vrai que les sages disent toujours pour s'assurer du présent et mieux appréhender l'avenir, il est important, indispensable même, de connaître le passé. Pour l'année 2024, Radio-Télévision d'Espoir fait provision pour tous ceux qui ont bonne oreille. Eh bien, je vais inviter des amis alors. Oui, chaque vendredi avant l'ouverture du sabbat et des reprises chaque dimanche et mardi entre 5h et 6h. Oh là là, conserve ton beau sourire et ta soif de connaître le passé de ton église, Lucie. À bientôt alors. Oui, sur Radio-Télévision d'Espoir, Histoire de l'Église, chaque vendredi et reprise dimanche et mardi. Ciao. À bientôt. Seigneur et notre Dieu, mais petite
garçon qui n'a pied une fois encore aujourd'hui pour une nouvelle émission, Histoire de l'Église. Merci Père des Cieux parce que vous voulez raconter à peuple ou à ça qui t'est passé déjà pour être capable de connaître qui j'en pour marcher. Et moi, je dis merci parce que vous choisissez petit garçon pour participer dans l'œuvre. Je connais que moi pas en rien. Mais aussi longtemps que vous voulez utiliser moi, je connais que vous animez de l'Esprit Saint afin que la parole soit prêchée comme ça doit. De façon spéciale, je demande où. Pour bénir tout auditeur yo. Et papa t'en prie, on va permettre que yo comprenne le message que vous voulez voyer pour yo. Et puis s'il te plaît papa t'en prie, pas quitter nous rester longtemps sur les ondes. Voyez petit toi parce que monde l'en fini. Reste avec nous papa, bénis nous. Et surtout permettre que l'émission passe très bien au nom de ton fils Jésus, nous prions. Amen. Frère, sœur, bonsoir. Nous sommes sur Radio Vision d'Espoir dans le cadre de l'émission Histoire de l'Église. Oui, frère Maxem, la semaine passée, a noté que Paul était à Éphèse et nous avons qui travaille colossal que monsieur était fait. Et qu'on y est là, travail, Éphèse l'a fini. Nous capables de dire, ministère monsieur, t'es réussi. Mais c'était avec un pile difficulté, un pile tourment. Paul t'a prêché l'évangile en public. L'été prêché de maison en maison, l'été enseigné et l'été averti fidèle yo, l'été parlé yo du royaume à venir. Et nous senti que travail sa yo, Paul te fait yo avec des larmes aux yeux. Surtout que Juifio t'es toujours en face li. Et malgré tout, monsieur, pas de jambes qui t'est tombé, pas de jambes qui t'est en rien tombé, dans quel que soit moment, parce que Paul t'est voulu sauvegarder intérêt l'église là. L'église a été jeune dans la foi et l'été accepté pour te fardeau sa yo pour l'église a l'été capable progresser. Et non pas loin tout que Paul c'est un nèg qui t'a vive avec un pile chagrin le la pas prendre que gagnen en pile dans groupe sa yo que li fondé yo gagné moun nan ki tombé nan apostasie. Paul te peur pour tout effort que li te kon fait en faveur moun sa yo pour c'est pas pour grand messi. Paul kon passé des nuits d'insomnie, des nuits en prière et en méditation pour louer comment que l'État capable fait pour contrecarrer tout ça qui voulait faire mon yo virer d'eau bail bon Dieu. Et les occasions ont été présentées, leurs conditions ont été exigées, l'État qu'on écrit groupe ça yo, l'église ça yo pour prodiguer yo des conseils. D'où on l'autre forme de prédication que Paul t'a metté sous pied. Parce que non seulement il était prêché dans la synagogue, non seulement Paul
te connaît aller de maison en maison, quel que soit côté que Paul te joigne une occasion, il te fait, mais tout, nous prenons Paul qui te connaît écrit des lettres. Parce que pour Paul, ce n'est pas juste une question de parler et parler de parole, bon Dieu. Mais c'était parler, mais tu as gagné tout pour te consolider tout groupe qui était là, pour te consolider l'église, pour te consolider foi frère et seul. Et là, ça, Paul pas hésité, là pour te écrire, pour te écrire. C'est comme ça, l'itapral écrit. Premier épître aux Corinthiens, pendant que l'été à Éphèse. Ou t'a dit que Paul t'a gagné un amour spécial pour l'église de Corinthe. L'été gagné un intérêt que nous pas qu'à expliquer. Parce que Paul t'a travaillé avec un zèle infatigable à Corinthe. Pendant un an et demi, il était forcé prêcher le Seigneur crucifié et ressuscité comme unique moyen pour tout le monde te sauver. Il était insisté auprès de frères et sœurs pour que yo te abandonné yo entièrement au pouvoir transformateur de la grâce. Et Paul, avant que l'été accepté Mounsayo comme membre d'église, Paul t'a gagné le soin, l'été instruit sur les droits et les devoirs d'un chrétien, tout en s'efforçant de les aider à rester fidèles à leur vœu de baptême. Paul avait une notion très nette du conflit qui doit être livré contre les puissances du mal. Sans cesse à l'affût pour tromper et égarer les hommes. Paul connaît que diable a pas lâché prise et Corinthe c'était un terrain fertile. Parce que nous t'es capable dit que Corinthe c'était une ville qui t'est presque incarné le mal sous différentes formes. Et c'est peut-être ça. Paul pas hésité pour t'étudier en pile à Mounsayo en façon pour lui t'es capable à fermer foyo. À Corinthe, Paul t'a demandé yo pour yo abandonné complètement à Dieu parce que l'été connaissait à cette condition, c'est à seule condition ça que il a renoncé à péché yo, à passion yo et à mauvais penchant yo. Frère Maxime yo, pas oublier chrétien corinthien tab vive au milieu de une forte idolâtrie au milieu de la corruption et cela sous presque tout aspect. Tant que Paul t'est à Corinthe, eh bien chrétien yo t'est échappé aux mauvaises influences de ce milieu. Parce que le Paul là ensemble avec yo, yo ouais foi inébranlable que Paul montrait. Paul t'a prêché yo de manière fervente et par-dessus tout, yo ouais que Paul c'est un monde qui t'a mené une vie consacrée. Ça t'a aidé yo à renoncer à yo-même pour l'amour de Jésus plutôt que yo t'a abandonné yo dans plaisir dans les plaisirs du monde. Mais nous connaît après le départ de Paul, puisque Paul pas là, et bien kounye la vin gagner en pile difficulté, parce que ennemi hein, pas hésité un moment pour la délivrer parmi tout bon grain que Paul t'es gagné pour bon Dieu, et
Ça, nous connaît que depuis Ivre est tombé dans jardin ça, ça pas prend temps pour porter de mauvais fruits. Et c'est là l'église Corinthe t'a pral commencé qu'on est une période de grande tribulation. Apôtre la patte là pour ranimer zèle croyant yo, li patte là pour te exhorter yo à vivre en harmonie avec Dieu. De temps en temps, en pile t'es commencé à pas refroidir, en pile t'es recommencé avec mauvais vicio, avec mauvais penchant yo. Donc, pas de gain route pour la pureté encore, parce que moun qui pouvait parler yo de la moralité, qui pouvait parler yo de l'éthique chrétienne, eh bien moun sa li pat la encore. De nombreux croyants, au moment de leur conversion, moun sa yo, yo te abandonné les mauvaises habitudes. Mais voilà que kounye la, yo retourné dans même vieux péché paganisme qui te qu'on a pas vu lio a et m'pa caché di nou ça te fait Paul triste. Paul pas content et Paul t'a cherché tout gens pour te remédier à situation. C'est dans sens ça que Paul t'a pral écrit yo. Et Paul l'elle t'a écrit l'église Corinthe, li te clair, li te recommandé moun yo pou yo pa gen relation avec moun ki t'a persisté dans la débauche. Oui, li te di yo que nou pa dwe gen relation avec moun ka persisté dans la débauche. Mais nou konnen, depuis ivre mélangé avec bon grain, quel que soit ça ou gen tendance di, yo interprété la de différentes façons et des fois yo capable dénaturer pensée a yo déformer parole là yo mépriser instruction hein, et kounye la bagay la gâté pirèd kon ça l'église a t'a pral voyé yon lettre pour apôtre Paul tout et yo t'a pral mandé li opinion sous différents sujets. Mais dans lettre ça que yo te voyé a gen en pile bagay yo pa di apôtre Paul. Heureusement le Saint-Esprit kap guidé action yo, kap guidé événement yo, t'a pral révéler Paul tout problème qui te gagné dans assemblée de l'église de Corinthe. Et t'es gagné quelques amis qui t'es sorti directement l'église ça qui t'es de très bonne réputation que ont relé les gens de Chloé moun sa yo yo t'es rivé côté Paul et yo t'es expliqué Paul exactement tout ça qui t'a pas passé et yo t'es dit Paul que gain de faux docteurs cap inciter frères et sœurs à mépriser enseignement que l'ité bail yo. Oui, toute doctrine avec ordonnance que Paul té bail yo, faux docteur ça yo té déformé yo. Et nous té vinn gagné dans l'église Corinthe l'orgueil, l'idolâtrie, la débauche, c'est ça qui était là. Et Paul vient rendre compte que ça te comprend qui t'a passé l'église Corinthe là, il y a les plus graves toujours que ça l'était pensé. Et là il fait ça, il t'a pral répondre lettre là. Li t'a pral répondre avec en pile tact. Li pat vle pou li te heurté au plus.
li te commencé par répondre à différentes questions que yo te posé et puis li expliquer qui façon pour yo vivre pour yo arriver à yon haut niveau spirituel. Li te averti yo de danger que yo tap couru le yo retombé nan type de péché sa yo. Li te invité yo pou yo garder de nouveau à la croix et pour yo chercher à ranimer ferveur que yo te gagné le yo te fait converti a en attendant que li même li fait yon passé encore à Corinthe. Paul te écrit yo avec des salutations pleine de tendresse pour yo te capable wè que li te renmen yo en pile li rappelé yo conversion yo qui te détourné yo de idolâtrie pour yo te capable adorer et servir le seul vrai Dieu li parlé yo de don du Saint-Esprit que yo te recevoir. Et c'est ça qui pour aider yo progresser sans cesse dans vie chrétienne yo pour yo capable atteindre la pureté et la sainteté du Christ. Oui, les dit Paul te dit Conquérant Pacifique page 268 en lui en parlant de Jésus-Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concerne la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse. Vous avez compris la nécessité de proclamer le message des trois anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h AM et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h PM. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. C'est vrai que Paul te répond Corinthiens yo avec en pile tendresse, mais tout li tapral rentrer nan vrai problème que l'église a tap confronté. Li te parlé yo ouvertement de division qui existait parmi yo et li te supplié yo pour yo te mette fin à toute querelle sa yo, à toute division interne sa yo. Paul écrit: je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. L'apôtre Paul dit: j'ai appris à votre sujet
par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Nous, Paul, maintenant, vous et Wash caché, mais Paul te dit exactement qui moun qui te bali information sur le problème qui est dans l'église là. Il parlait aux des gens de Chloé et il connaît que moun sa yo, c'était une série de moun crédibles, c'est une série de moun qui te besoin ou ouais, l'église Corinthe prospérer. Et yo pas dit Paul ça en termes de tripotage, mais yo te vle que Paul comprenne bien et pour le te capable aider l'église là. Il a dit Dieu avait montré à Paul les difficultés et les dangers qui s'élevaient au sein des églises. Et c'est ça qui fait tout. Paul comprend gravité péché. Yo. Paul là pour défendre l'église de Dieu, pour lui veiller sous âme gagnée. Yo. Comme si il connaît que il était gain compte pour te rendre à bon Dieu. Et c'est peut-être ça. Il pas hésité font série de rapprochement en façon pour au lieu que c'est désordre, c'est division, mais c'est l'unité qui peut régner parmi les fidèles de Corinthe. Ça qui est intéressant, c'est que pendant que apôtre là a touché vrai problème yo, li pas même fait mention des faux docteurs qui t'a forcé détruit tout ça que li t'a fait comme travail. Li pas parler sou yo en façon pour le pas irriter yo, pour le pas rappeler une série de bagailles qui peut-être effacer de mémoire moun yo, pour le pas vin révéler yo, et puis pour ça, pas faire encore plus dégâts. Seul bagay, Paul Tepito dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Paul, c'était un homme qui pas de jamais attribué un lien à propre sagesse li. Il était toujours reconnaître que c'est la puissance de Dieu qui tape travail avec lui, qui fait que lui était capable de présenter la vérité d'une manière agréable au Seigneur. Il connaît que une fois que toute l'église là t'a uni à Jésus, le plus grand de tous les maîtres, le ça tout le monde tape capable sur la même longueur d'onde. Yon péché qui était plus grave, qui était développé dans l'église Corinthe, et qui t'a fatigué Paul plus encore, c'est fidèle qui était retourné à ancien coutume. Des coutumes qui avilissaient l'œuvre de Dieu, des coutumes du paganisme qui avilit chrétien yo pour prop, avec propre tête yo. Gagné un ancien converti lui-même que yo rapporté Paul qui était tombé tellement bas, conduite lui était tellement scandaleuse que attitude ça c'était niveau moralité qui était plus bas chez n'importe qui païen. Et Paul pas joué avec ça, il t'a demandé yo moun type de moun perverti ça yo, il faut que yo t'es capable retirer yo
du milieu du peuple. Et c'est ça que fait l'été écrit. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain. Et il y a un autre gros problème, un autre gros problème encore qui était gagné dans l'église là que Paul t'a pas réagi sous lui. Ses frères qui étaient qu'on pédé à mener frère dans tribunal. Paul t'a baillé de nombreuses instructions, mais malgré tout, yo pas fouti régler différents yo. Paul t'a dit yo que yo t'es capable régler différents ça yo entre eux. Plus loin, l'esprit non, yo pas jamais rappelé yo l'esprit de vie que Jésus t'a baillé comme modèle pour tous les chrétiens. Côté que il t'a dit si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Paul pas réprimande des chrétiens yo en des termes vagues parce que yo t'es perdu de vue les conseils de Jésus. Paul écrit lui-même, lui dit yo, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Frère Maxime, voilà comment Paul t'a écrit Corinthiens, yo. Surtout, ça qui t'est pédé à mener frère yo devant tribunal, et des fois, c'est parce que yon a des plus gros relations, li déjà connaît que la gagne quand même devant tribunal là. Le yo allé comme ça devant type de juge ça yo, c'est pas même justice que y a cherché.
Et le plus souvent, c'est injustice même qu'ils veulent faire avec propre frère. Nous connaissons Job Satan, c'est si mes troubles parmi le peuple de Dieu. Si même méfiance, avec un pile malice, avec un pile hypocrisie. Oui, frère, sœur, moi, dans chapitre ça, Paul est forcé pour attirer esprit corinthien sur la puissance du Sauveur qui lit même seul capable préserver yo de péché. Un homme, une femme de référence. Oui, non mon tête en bas ça. Quand on voit jeune yo. N'a pas joine oui. N'a pas joine la Bible. Vin chercher avec. Et qui côté pour me joindre avant? La radio télévision d'espoir chaque dimanche de 1h à 2h de l'après-midi et chaque mardi de 6h à 7h du soir. N'ap joigne yo, n'ap imite yo et vinou ap sanctifié. Il y a une question que moi ta remen posé jodi a. Problème ça qui t'est posé dans l'église Corinthe là, dernier problème que nous abordé a. N'a demandé nous est-ce que l'église jodi a est-ce que li différent? D'ailleurs, kounye la moun tellement pa vle faire moun confiance. Frère, tellement pas qu'à faire ce confiance pour jusqu'à ce que pour t'arriver pour te causer devant l'église pour l'église ta prendre une décision. Moi-même c'est une seule fois me rappeler moi te ouais yon bagaille comme ça. Te gen deux anciens qui te gen problème. Et là ça c'était corps pastoral qui te réuni pour te essayer bail une autre raison. Mais gen on qui était déjà perdu parce que il était à peine rentré en Sénat et l'autre là c'est ton vieux que il était. Yon pas fait l'autre confiance. Non est que décision des fois gen moun qui même radier l'église, c'est tendé au radier. Bagay la t'est dû depuis longtemps. Et pas oublier histoire de l'église après rappelez-nous ça te qu'on fait longtemps parce que y a gain pour y arriver dans fin temps encore pas oublier histoire de l'église lui raconter comment l'église a été débuté et jusqu'à ce que n'a privé dans fin l'église là. Nous parlons, c'est comme si pas gen rien de nouveau sous le soleil. N'a commettre les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. Et si nous pas prend bien, ka fè nous capable couler ak ma. Frère Matsem yo, quelle que soit position Paul t'es gagné, quel que soit sujet que li t'es abordé, li t'es gagné un seul objectif. Aider Corinthiens yo à se libérer des pièges du péché et pour arriver à un degré de sainteté dans la crainte du Seigneur. Paul insistait sur les exigences de celui à qui ils avaient livré leur vie au moment de leur conversion. Jésus-Christ, il te dit, yo, vous êtes à Christ. Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Frère Maxime, yo,
conseil sa yo yo bon pour tout temps. Faut nous sanctifier corps nous, esprit nous, parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Paul t'est tellement coué ça que li pat met de l'eau dans la bouche li. Li pat hésiter écrit un moment les mauvaises pratiques, dénoncer les mauvaises pratiques du paganisme. Et maintenant, des moins, je dis à Saint Paul, t'es dit, Corinthien, yo, n'a privé yon côté, est-ce que n'a pas dit, yo? Le n'a pas gardé nous une série de lois qu'a prend au Canada, aux États-Unis, sur discours de la haine. Frère Maxime, yo, même dans l'église, qu'on y est là, semble-t-il que Canada a adopté une nouvelle loi, une série de bagayotes qu'on a accepté dans une série de prédications, dans un temps qui pas trop loin, ou pas accepté encore. Paul, t'es tellement à dénoncer pratique corinthien, yo, que lui t'es dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Paul t'a supplié yo pour yo dominer passion sa yo et appétit sans limite que yo te gagné pour yo te a commettre mode bagaille sa yo. Il t'a posé aux questions ça, ne savez-vous pas leur que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu. Maintenant, m'a demandé moi, est-ce que nous capables poser question ça aujourd'hui à? Est-ce que nous capables campon côté pour n'a parler de péché ça yo? Frère, sœur, nous pas bien le choix parce que apôtre Paul t'a fait yo. Et en tant que disciple de la fin des temps, nous-mêmes tout, nous devons faire ça tout. Paul te vle que Corinthien yo te touché, te rempli de la toute plénitude de Dieu. Li te vle pour yo te rete attaché à celui dont le retour se prépare comme la venue d'un radieux matin. Li souhaité, Paul te souhaité que Corinthien yo continue à recevoir les instructions divines de façon que yo te rivé dans une lumière parfaite, dans une foi parfaite, afin que yo pas gagne surprise au dernier jour. Nous même tout, c'est même combat, c'est même bataille là. Nous devons dénoncer tout ça qui doit dénoncer. Une façon pour moun qui dehors yo connaît que gen un Jésus kap vini très bientôt, kap vini comme juge en vainqueur et pour vaincre, pour sauver l'humanité. Et si yo besoin joine en place côté moun ki sauve yo, fok yo kite les pratiques du paganisme que Corinthien yo te kon a fait. Paul te tellement besoin convaincre chrétien Corinthio nan sans sa que li ta pral démontrer yo l'importance pour yo mener une vie bien disciplinée
soumise à une tempérance stricte et toujours animée de un désir sans limite pour travailler pour Jésus. Paul, c'est ça qu'il fait dans le premier épître aux Corinthiens. L'étape les fait une comparaison entre le combat du chrétien et les fameuses courses qui t'étaient habituées à gagner à Corinthe à une certaine époque de l'année. Toute jouette, tout sport qui était institué par les Grecs et les Romains dans toute bagay sa yo, course à pied, c'est yon qui pi ancien et qui plus estimé. Et qui sa que nous est jusqu'à journée jodi ya dans les Jeux Olympiques, nous est que les rois, les nobles, les hommes d'État, yo kon la. Longtemps, yo te kon la tout. Jusqu'à présent, jodi a yo la. Et si nous gardons bien, le plus souvent, moun qui pral participer nan kousa yo, nous te toujours wè que c'est une série de moun qui l'école, c'est une série de moun qui formé, c'est une série de moun de bonne famille, que yo pas accepté fait n'importe bagay. Si nous gardons bien, si par exemple qu'on est là au monde ou dans sport ou prend drogue, y a élimino, y a caradio à vie. Quoique drogue là toujours passé quand même, mais c'est un principe quand même. Et ou pral wè que moun sa yo yo pas jamménager effort yo pour remporter un prix. Qui ça nous remarquer, quel que soit pays du monde cap voyer athlète dans jeu olympique, tout espérer que moun sa yo que yo voyer yo yo pral retourner avec médaille. À l'époque de Paul à Corinthe, moun qui était gen espoir pour remporter prix dans épreuve de force sa yo, dans épreuve de vitesse sa yo, yo te doué gen des muscles solides et souples. Yo te doué gagner des nerfs bien disciplinés. C'est une série de moun qui te préparé au côté que chaque mouvement yo pral fait doit précis. Chaque pas yo doit rapide et sûr. Et faculté physique sa yo, yo te doué au maximum. Donc, c'était des gens bien préparés. Et lorsque coureur sa yo, yo paraît dans yeux foule kap gade yo, non yo proclamé, moun yo en délire, et là ça yo ba yo men règlement course là. Tout coureur yo yo parti ensemble, et attention, tout moun ki t'ap gade yo même, c'était qui est qui pral remporter coupe là. Seul bagay spectateur yo t'ap rele en moue, foule la en délire, ap encourager moun ki verive a. Gen habit ki te là, ki t'ap suivre du commencement à la fin, parce que yo pas baye victoire à un tricheur, yo pas baye une victoire à un moun qui pat mérité récompense là. N'importe qui erreur t'es fait ou t'es éliminé. Et ça qui pire là, malgré toute préparation physique ça que nous tendait, je ça yo
kou sa yo te genye gros risk la dan yo. A tel point que genye un série de concurrents qui pa jam remet yo physiquement après yon course. Genye et jusqu'à présent nou wè li depuis kou sa nè ke fè sa l fini se wè yo nè ke kouché la gè kò yo. Et longtemps genyen ki te kon ap bay san nan bouch yo, yo kon ap bay san nan nen yo. Gen de fois gen athlète même qui même en tombé red mort nan moment même que yo t'a pralé pran priant. Mais on compte ça bel. Nou te toujours wè que pou monsieur sa yo que yo vive que yo mouri yo pa gen problème pou yo pran risque ça parce que yo te wè que ça te vaut la peine pour yo te couri pour peuple la t'a gardé yo et yo tout yo te espéré remporter trophée ça et bénéficier de toute gloire qui t'est derrière. Et amoun qui t'est remporté kousa yo qui ça qui t'est réservé pou yo am pa caché di nou c'était la gloire c'était applaudissement de la foule de toutes parts
au point que écho arrivait dans les collines, dans les montagnes environnantes. Écho applaudissement ça y est arrivé partout. Arbitre là ensuite t'apral bail devant tout le monde trophée de la victoire au vainqueur qui ça que le teyé c'était une couronne de laurier et une palme que li te gagné nan meni moun sa c'est tout côté que li te passé yo te qu'on a fait louange pour lui dans tout pays que il t'est passé c'était un héros parent tout t'es bénéficié de gloire ça ville côté le sorti a il t'est bénéficié de célébrité ça parce que oui voilà que c'est ville ça qui bail coquin chaîne champion ça c'est même gens le n'a regardé pour monde qui t'est connu Maradona tout côté le passé. Et exemple qui était plus solennel là, c'était Pelé parce que monsieur lui-même, il était qu'on recevoir en roi. Et le monsieur fait ça l'rivon côté, c'était délire. Ça c'est comme ça ça tayé dans époque là. Mais qui ça qui gagne? Pour qui ça Paul ces figures cours ça que li prend pour le comparer avec vie chrétienne. Paul insiste sur la nécessité que un chrétien ou doit préparer ou dans course que ou yéya, dans course pour remporter la couronne dans le royaume des cieux. Paul mandé faut nous gain discipline. Faut nous gagner des régimes que nous suivons. Faut nous tempérant. Paul dit tout le monde qui est dans la course, qui est dans la course, le monde qui est dans la course, en bas un régime, en bas une série de contraintes. En bas toute espèce d'abstinence. Les coureurs, yo te doué arranger yo pour yo éviter de tout ça qui t'est capable affaiblir faculté physique yo. Faut que yo te gagne une discipline sévère et constante pour yo exercer muscle yo. De façon pour yo fortifier muscle yo et joukou cela le ça yo pral bay maximum d'énergie c'est dans sens ça question vinn poser est-ce que li pa pi important pour un chrétien qui gagne des intérêts éternels? Est-ce que l'hypatapi important pour nous, gourmet pour nous contrôler mauvaise passion nous yo, mauvaise appétit nous yo, pour nous capable faire volonté, bon Dieu? Nous pas doit laisser nous détourner par les plaisirs, par la luxure, par la satisfaction des désirs. Toute habitude ça yo doit sous contrôle, yo nous doit discipliner yo. Frère Maxime yo, c'est toute bagaille ça yo. Paul t'a essayé fait Corinthiens au comprendre. Et c'est toute bagaille ça yo que nous devons comprendre toujours dire. Frère Maxime yo, l'heure arrivée pour m'aller. N'a pour vendredi prochain pour une autre émission. Que bon Dieu bénisse nous. Notre Seigneur et notre Dieu,
Gloire soit rendue à toi et à toi seul pour l'émission d'aujourd'hui. Merci parce que tu t'es manifesté présent sous et auprès de moi-même qui est animateur et auprès de frères et sœurs nous qui étaient sur les ondes, les fidèles téléspectateurs, les fidèles auditeurs et téléspectateurs de la radio Télévision d'Espoir qui connaissent que yo l'école, yo à l'université et que très bientôt y a gradué et c'est Jésus lui-même qui a promis ton diplôme là. Rétavez nous, bénis nous. Au nom de ton fils Jésus, nous prions. Amen.